Il me disait quoi? Il me disait aberrant, le jeune. Moi, c'est absurde. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir une magnifique Golf 7 GTI performance. Et oui, je sais qu'il y en a eu beaucoup sur la chaîne, mais comme je le dis à chaque fois, toute voiture est différente, les personnalités sont différentes. Et il faut savoir que celle-ci, elle est full stock. Et en plus, elle est en 5 portes. Donc c'est parti, je vous présente la voiture et le frérot tout de suite. Comment il va, le frérot? Salut, bah ça va, écoute, très bien. Et nickel. Toi? Ouais, très très bien, ouais, parfait. T'as fait bonne route? Ouais, bah une petite heure de route tranquillou. Ouais, tu viens de Tarare, du coup, c'est ouais, ça que tu me disais, ouais. Ouais, je me suis un peu dépêché, j'ai dit que j'avais un peu de retard. Ouais, mais t'inquiète, comme je t'ai dit, je t'attends, il n'y a pas de souci. Et puis dédicace aux frérots qui s'étaient passés, du coup, sur ma chaîne. Ouais, bah Guillaume et Romain, ouais. Ils vont se reconnaître. Ouais, ils vont se reconnaître. Donc aujourd'hui, comme je disais, tu nous as ramené une Golf 7 GTI performance. Mmh. Et full stock. Full stock. Donc on t'écoute bah, pour l'année, la motorisation, puis... Ouais, et bah du coup, motorisation, ce qui est le plus basique, enfin ce qui est connu, le 2 litres TSI. Bien sûr. 245 chevaux. Année, elle est début 2019. D'accord. Et après, C'est des jantes en 18 pouces. J'entends 19, c'est les jantes de la... 19. Ouais, 19 pouces, c'est les jantes de la Club Sport. D'accord. Donc pareil, option chez... C'est des origines, hein. C'est des vrais. Tout originaux, ouais. Ouais. Avec les étriers rouges GTI d'origine. Voilà. On retrouve bien sûr le logo ici GTI. T'as le toit ouvrant. J'ai le toit ouvrant. Attends, je vais la prendre. On la voit bien en trois quarts. Donc elle a vraiment une belle gueule, hein. Franchement, la couleur, comme je te disais, là, quand t'es arrivé, elle est très spéciale. Ouais, elle ressort super bien avec les jantes. Moi j'adorais, c'est la config que j'adore. Oh, ouais, les jantes comme ça, déjà bicolores. Avec le gris, il est très spécial. Le gris, moi j'adore, ouais. Non, franchement, il est incroyable. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, parce qu'avec le frérot, on cherchait exactement le nom de la couleur. Donc, je sais que c'est pas le gris Daytona, c'est un gris spécial. Donc, si quelqu'un connaît exactement le nom, dites-le nous, parce qu'elle a vraiment... il se marque des autres. Gris foncé, comme ça, et puis ça change de couleur un peu au soleil. J'aime beaucoup. Alors, on va continuer. On continue, du coup, pour la face avant. Alors, face avant, toute d'origine, bien sûr. Toute d'origine. De toute façon, toute la voiture l'est. Donc, logo GTI rouge parce que c'est une perf. Bien sûr. Les feux LED. Mm-hmm. Full LED, et puis ouais, après voilà. Tu t'es pas fait le plaisir des plaques? Non. T'as tout laissé d'origine. Tout laissé d'origine. T'as même laissé le support de plaque. J'ai même laissé le support. Ah ouais, mais je l'ai depuis 3 mois la voiture, et franchement. Ah oui, du coup, le frérot il disait que ça fait que 3 mois qu'il l'a, et tu comptes la revendre déjà. Et elle va déjà repartir dans bravo, hein, c'est ce que je vais mettre en titre. Hein. Il vient de l'acheter, il la roule. Je vais être un truc dans ce genre. Bah, j'en ai déjà fait le tour un peu. Parce que mine de rien, ça reste des super belles caisses à conduire. C'est super fun, hein. C'est super beau et tout. Mais tu t'en lasses ou parce que t'as un autre projet? Comme autre projet, ouais, mais plus typé pas voiture. Je pense que j'ai assez de. Enfin, ça coûte cher et tout, je vais pas mentir. Hein. Bien sûr. Ouais. Mais maintenant, ouais, je suis plus dans l'optique de voyager. Bien sûr, ouais, profiter un petit peu. Ouais, voilà, je suis encore jeune et tout. Pendant qu'on a encore le temps de le faire. Ah, hein, c'est ça. On sait jamais ce qui peut nous ressortir là. Exactement. Avec les Covid et les je sais pas quoi. Voilà. Et du coup, voilà, donc ouais, elle va être à vendre. Non, pas longtemps. Et les vitres teintées, c'est toi qui les as faites ou... Non, c'est tout d'origine aussi. Tout à l'arrière, c'est tout d'origine aussi. Il y a, franchement, le seul truc qui n'est pas d'origine, c'est l'ancien proprio qui l'a fait. C'est les disques, comme je te disais, qui ont été perforés Brembo. D'accord, c'est tout. Et c'est tout. Et j'ai changé les palettes intérieures comme... Donc là, les gars, on a vraiment un véhicule full stock. Même la ligne d'origine, le diffuseur. Là, vous avez vraiment la GTI comme si elle sortait de concession. Ouais. Donc elle se présente comme ceci, hein, voilà, vraiment toute full stock. Même les logos, ils sont à leur place, il n'y a aucun logo qui a été rajouté ni enlevé. Non. Donc c'est bien. Ah non, elle est dans full d'origine. Comme ça, je disais, mon frérot, quand il est arrivé, au moins au niveau de l'essai routier, au niveau du son moteur, on verra vraiment un véhicule qui est tout d'origine. Ça fait plaisir et ça change un peu. Bon, on va pas négliger qu'il y a quand même 245 chevaux. Hein. Ouais. Donc tu as exactement les mêmes chevaux qu'il y a sur la nouvelle Golf 8 GTI. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les deux Golf GTI que j'ai filmés. La Club Sport et la 8 d'origine. Eh ben mon frérot, on va observer un peu le moteur, comme d'habitude. Hein, allez voir le petit moteur. Hein. Je vais voir si t'en as pris soin. Hein. Ouais, il était déjà propre. Mais non, si, en vrai, il a à peu près un peu de poussière, je vais pas te mentir. Mais il est propre.
Ouais, il est propre, il est propre. Il est poussiéreux. Il est poussiéreux. On va être honnête, ah, il est poussiéreux. Ouais, non, il est poussiéreux. Alors, bah, du coup, le magnifique de l'ITFSI, hein, de l'ITFSI qui se prépare bien, si tu l'aurais pas. Qui se prépare bien, ouais. Mais je vais pas le préparer. Mais qui marche, franchement, 245, ça marche fort. Ça marche bien, ouais. Ça marche du coup, t'es en 4 roues motrices? Non. T'es en traction? C'est en traction, ouais. Traction, ouais. Et franchement, c'est. Bien, ouais, c'est un... Bah, j'ai un pote qui avait une 7R avant. Ouais. Et je l'ai fait essayer celle-ci, il m'a dit, bah. Il avait adoré celle-ci. Il ressentait peut-être plus de sensations. Ouais, vachement plus de sensations. Il m'a même dit, j'ai l'impression que ça accélère plus fort. Ouais. Alors que bon, une R, c'est quand même 4 roues, etc. Mais bah, la R, on va dire, c'est peut-être un peu plus linéaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors que la traction, tu vois, t'as la sensation, les pneus. T'as le patinage au début. Ouais, ouais, bien c'est sûr, ça. Ouais. C'est franchement, ouais. Et mais ouais, ça marche. Et c'est... D'accord. Même le fil que t'as laissé d'origine. Tout est d'origine. D'accord. Tout. Allez, c'est parti. J'ai filmé ton intérieur. Ouais, t'as même pas un petit sambon, hein, je vois. Si, attends, regarde. Mais je crois pas aussi. Si. Je l'ai enlevé, j'ai acheté un spray, mais franchement, il pue les chiottes. Ah ouais? J'en ai mis sur mon pied. Ah, mais les trucs bleutés là, ah, c'est de la merde, ça. Allez. Sinon, regardez les gars, full origine, donc les magnifiques sièges GTI en tissu, là, avec les petites bandelettes rouges que j'aime bien. On retrouve le volant GTI, ah mais du coup t'es vraiment les dernières phases de Golf 7. Ouais. Parce que là t'as le cockpit. Ouais. Voilà, virtual cockpit, magnifique. Donc t'es en boîte auto avec le mode sport. Donc le grand écran tactile. T'as le pack LED d'origine, le toit ouvrant avec le toit noir comme on a expliqué. Le petit accoudoir. Non, j'ai changé les palettes du coup, comme je disais. Ouais. Ça va AliExpress. Hein. D'accord. Ouais. Ah ça c'est pas d'origine. Hein. Ah non. Un petit plaisir. Hein. Donc les petits seuils de porte. Voilà, comme là, les palettes d'origine, j'avais du mal parce que... Trop petite. Ouais, voilà. Ça, je vais regarder l'arrière un peu. C'est propre, hein, franchement. Hein. Bonne caisse. Hein. Les sièges comme ça, franchement, j'aime beaucoup la couleur. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Ah, moi, je te jure, j'aime bien. C'est l'âme de la GTI. Pour moi, c'est, hein. Voilà, c'est l'âme de la GTI, comme tu dis. Je vais regarder un peu le coffre. Ouais, c'est très propre. Hein. Regardez, il y a de la place. On couche les sièges comme d'habitude. Ouais, ouais, vraiment propre. Exactement. Eh ben écoute, on va écouter le petit son d'origine. Ouais. Et puis après, on fera un petit essai routier. Et puis tu m'en diras un peu plus sur la fiabilité du coup. Allez, ça marche. Bon, alors les gars, comme vous venez d'entendre, on a vraiment le son full origine, très joli petit son. Il y a des petits pétards quand tu roules du coup? Ça dépend. Ça dépend s'il y a les chauds. C'est, ouais, ouais. Chaud, et souvent tu les entends quand ça patine un peu. Enfin, c'est un peu bizarre. T'as l'effet de... Ouais, je vois ce que ça tu veux dire. Ça pète un peu dans le pot, mais c'est vraiment quand ça patine. Mais sinon... À l'alpha, elle? Ouais. Non, elle n'a pas l'alpha. Elle n'a pas frappé, ouais. Elle n'a pas frappé, d'accord. J'ai de la chance. Là, très bonne chose, t'as beaucoup de chance, ouais, du coup. Ouais. Eh ben écoute, on est parti? Ouais. Allez les gars, on se retrouve sur la route. Alors les gars, on se retrouve dans la Golf 7 GTI, très bien installée, comme d'habitude. Et puis là, on va faire le petit essai routier, donc elle est full origine. Donc je vais vous dire, alors comme d'habitude, donnez votre avis. Qu'est-ce que vous aurez fait sur la voiture? Le frérot, c'est rien que je lui pose la question, il va la vendre. Et puis même s'il leur... on va aller à gauche au rond-point. Je pense pas qu'il aurait fait quelque chose. Donc moi personnellement, c'est ligne d'échappement, stage 1, les plaques noires, vite teintées à l'avant. Et puis après, je sais pas. La ligne d'échappement, mon père pourrait me la faire, il travaille en métallerie. D'accord. Il voulait, mais comme je vais la vendre dans pas longtemps, il va passer. Tu laisses tout d'origine. Ouais, et puis au pire des cas, quand tu la vends, tu pourras dire au gars qui veut l'acheter, mon père, voilà, il peut vous faire la ligne. Tu vois. Ah, je te donne des idées, moi, frérot. Ça marche bien. Il y a un tout petit son, hein. Faut libérer l'échappement. Hein. Ouais, il y a un petit son. Mais j'aime bien à côté d'avoir un petit truc comme ça léger, j'aime bien. Ouais. Moi, on m'a toujours dit, vaut mieux qu'une voiture elle marche et qu'elle fait pas de bruit. Ouais, ça, c'était à l'époque de mes scooters, hein, mon grand frère, s'il me reconnaît, hein, la dodine. Il me disait quoi? Il me disait, ton scooter il fait du bruit, il avance pas. Et un jour, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai changé le carbu, j'ai remis le pot d'origine, il marchait fort et il faisait pas de bruit. Là, c'était trop abusé, c'était absurde. Absurde les gars, au cas où, je le dis souvent maintenant, c'est mon nouveau mot. Voilà, je vois que tout le monde à droite, tout le monde a son propre mot. Tu vois, le frérot, bon, je l'ai un peu repris, le aberrant, le jeune. Moi, c'est absurde. Voilà. Ça marche, hein. Ouais, c'est nerveux, hein. Ça marche.
Non, mais ces voitures préparées, franchement, c'est. Ouais, mais carrément. Mais là, 245, ça suffit. Bah, ça suffit, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Puis... Et du coup, ça consomme pas plus que ça alors? Ça t'as le pied lourd, toi. Un peu le pied lourd. Ouais. Ouais, en moyenne, 12 litres. 12 litres? Ouais, en moyenne. Bon, ça va. Mais ça reste correct pour et ce que c'est ta seule voiture? Non, j'ai une petite Twingo à côté. Oh, bah, c'est très bien pour aller au travail. Ouais, franchement, ça va très bien, ça fait le taf. Et t'as eu quoi comme voiture à part celle-ci? Là, au fond, on ira à droite. Et bah en vrai, la Twingo. Et après, en fait... C'est ton premier plaisir? Ouais. T'es jeune permis ou pas du tout? Non, j'ai... C'est ton, vraiment ton premier ouais, plaisir? Ouais, c'est mon premier plaisir avec première sportive. Et c'est ce que tu voulais ou? Et bah alors pas du tout. Au début, je pensais pas du tout au Golf parce qu'on en voit trop. Après, Golf, c'est une bonne voiture. Hein, c'est une très bonne voiture, mais le fiable, site, on en voit beaucoup. Ouais. Putain, elle est nerveuse, hein. Ouais. Marche bien, ouais, hein. L'origine... C'est correct, on va aller comme le Peugeot là. Et du coup, au début, je suis parti, j'ai pas vraiment eu de voiture en tête, enfin, j'en avais plein, mais des trucs qui avaient rien à voir. Je pouvais très bien partir sur une ancienne Mustang comme sur une 350Z par exemple. Ah, d'accord. C'est cheap, hein. Et, ouais, bah, franchement, marche bien, 35, hein. Ça marche super bien. Et je pense que t'as dû tomber sur cette annonce et t'as bah, j'ai flashé dessus, je regardais les gommes, je suis au cas où. Tu t'es dit, elle est dans ton budget, elle voilà, est pas mal. C'est ça. Ouais. Je suis continué à regarder les Golf et ça là le toit et full option. Bah là tout et puis elle était pas trop loin, je l'ai acheté à mes yeux celle-ci. Ah t'étais à côté ouais. Et en vrai ouais, j'ai flashé dessus, je suis revenu dessus à la fin et j'ai eu du bal parce que bah, le proprio avait 90 messages et quelques. Et... Mais là 3 mois tu veux déjà la vendre? Ouais parce que en fait genre je me dis qu'en fait j'ai déjà fait le tour de la voiture. Genre c'est super bien, ça a de la gueule et tout, ouais. Ça accélère fort, mais on voilà. Fera demi-tour, on peut. Et du coup, ça serait quoi ton prochain achat? Franchement, je vais pas te mentir, je pense que ça va très sûrement partir sur une Clio basique, un truc. Et tu veux voyager? Ouais, exactement, ouais. J'ai plein de projets en tête, enfin maintenant, je suis en couple et tout, j'ai plein de trucs en tête à faire avec... Tu diras les voitures plus tard, ouais. Ouais, voilà, je préfère voyager avant, tu vois, par exemple, avant d'avoir des enfants ou je sais pas quoi, parce que c'est très bien, donc à toutes les filles qui voient la vidéo, prenez exemple sur un futur mari, fiancé comme lui, hein. Bah pas fiancé encore, mais moi je suis pris, c'est bon. C'est bon, il est pris. Non mais en gros je disais pas ça pour qu'on te drague. Ouais. Je disais en gros, regardez, c'est un bon gars, il a que 22 ans et il a déjà des bonnes ambitions. Il veut pas faire le con, tu vois. Ouais, non, il non, veut bah pas là, acheter une voiture, la préparer. Bon après je dis pas que c'est pourri de faire ça, c'est très bien. Mais ce qu'il veut faire aussi, c'est très bien et surtout à son jeune âge. Oh je fais le daron moi, 30 piges. Hein. Mais ce que je disais, c'est ça. Ça, quand t'es tout seul, c'est bien, mais maintenant tu sais que. Bah, on... Oui, tu te calmes un peu. Si tu pourras te refaire plaisir plus tard, fais-le. Ouais. Tu te fais plaisir, mais vaut mieux investir, un exemple, dans des murs, dans un appart, voyager, c'est sûr. Investir pour quelque chose, c'est très bien. Mais... Donc, la chérie du frérot, tu devrais être contente, garde-le. Mais bon, gars. Bon, après, je te connais pas, mais déjà pour le peu que tu m'as dit, c'est très bien. Ça fait longtemps que t'es en couple? Pas du tout. Pas du tout. Combien de temps? Là, ça fait 3 semaines. Mais genre, ça va. Attends, lui, il est complètement à l'ouest. Ça fait 3 mois qu'il a la voiture, il va la vendre. Ça fait 3 semaines qu'il a une chérie. Il me parle déjà de. Tu veux de voyager. Voyager, tu veux fonder une famille, tu veux déjà une maison. Pas dit fonder une famille. Ah, il est chaud, lui. Hein. Ça va passer pour n'importe quoi. Non. Non, non, mais c'est très bien ce qui est. J'ai compris ton opinion, mais c'est très bien. Non. Non, mais voilà. Et pour revenir aux voitures du début, à vous, c'est de la merde, Golf, c'est à vous. Hein? À vous, c'est de la merde, c'est pour ça que je vais la revendre. Tu me dis pas toute la vérité. Ah non, non. À gauche, pardon. Franchement, j'aime bien. Je te promets que j'accroche avec cette voiture. Mon père me dit si j'avais les sous. Non, mais elle est clean, j'ai vu tout de suite. Hein. Elle est vraiment propre, peu kilométrée. Ouais, non, mais j'adore. Hein. Mais c'est juste que ouais, je me dis j'en ai fait un peu le tour en vrai. Bah, tu sais que c'est vrai, en 3 mois, tu peux vite faire le tour, mais en une semaine. Hein. Ouais, c'est ça. C'est super. Après, j'adore cette voiture parce que c'est super. Après, c'est l'optique de ça. Vu que tu veux voyager, donc c'est normal, tout de suite, je veux la vendre. Ouais. C'est comme si moi, demain, je kiffe les bécanes, j'achète un T-Max, hein, parce que j'aimerais bien reprendre un T-Max. Je vais le garder un mois. Si j'ai un truc en tête, mais vraiment comme toi, ah putain, j'ai envie de partir à Disneyland, ah putain, je veux aller à Miami, ah putain, je veux aller en Autriche, je vais dire, ah, faut que je le vende, j'ai besoin de thunes, tu vois. C'est ça. Donc, je te comprends. Bah, ouais, et puis. Et t'as eu des soucis du coup en 3 mois? Ouais. C'est fiable? Rien du tout. C'est super fiable. T'as encore la garantie ou pas? Non. Non. 4 ans, ouais.
Mais ce que j'adore avec ce caisse, c'est que c'est, enfin comme toutes les gars de toute façon, c'est que c'est vachement polyvalent. Tu peux autant partir tranquillement et tout. Faire de la route, des petits trajets, voilà. Tu peux tout faire. Ah ouais, mais et Golf. Et après, bah, tirer dedans à fond quand on. Là, la nouvelle Golf 8 que j'ai filmée chez IMAX Auto, d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo, les deux Golf 8, la GT et la Club Sport, j'ai vraiment kiffé. Moi qui est très Audi, bah, à choisir, je pense que je prendrais une Golf 8 GTI ou même une Golf 7 qu'une Audi S3 ou RS3, vraiment les gars. Et au rond-point à gauche. Vraiment, Golf pour moi, c'est tout ce qui est. En fait, toutes les petites citadines de Volkswagen, j'adore. J'ai eu des polos, des petites polos TDI qui marchaient très fort. J'ai toujours kiffé, c'est vraiment fiable. Les pièces, on les trouve de partout. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis bien avec toi. C'est vrai que par exemple, une RS3 ou une Golf R, bah, je partirais sur la R. Je la trouve. Enfin, je trouve la gueule plus énervée. Bien sûr. Hein. C'est plus passe-partout, moins cramé, mais en même temps, ça fait agressif. Je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, j'étais ravi de cet essai. Hein. Ton rêve de voiture, ça serait quoi, vraiment? Ton rêve. Hein. Là, franchement, si j'en ai un, c'est une ancienne, une Shelby AC Cobra. D'accord. Mais c'est vraiment un truc ancien, mais ça. J'ai filmé une Chevrolet Chevelle, la voiture de Toretto. Ah oui, mais oui, mais je l'ai vu. Celle-là, ça c'est genre ton style. Elle faisait un bruit. Ça pourrait. Ça pourrait, mais. Plus l'autre style. C'est ce que tu me dis là. Ouais, ou typé, c'est le Mustang un peu. Mais... Ouais, je vois le genre, ouais. Là. Oui, merde. Moi, je partage. J'ai mis un coup d'angle mort pour toi. Mais si on t'appelait, c'était trop tard. Mais ouais, pour revenir aux voitures que j'avais en tête au début, je pouvais partir très bien sur aussi une Boxster S, les premières. Oui, bien sûr. Un Porsche Cayenne ou une en tête Z3, aussi. Les vieilles dents. Ouais, ouais, je vois le genre de voiture. Kiffant, mais... Non, mais c'est très bien, hein. Ah, puis du coup j'ai fini là-dessus, je voulais pas parce qu'on en route partout, mais bon, au final j'ai craqué et c'est sans regret, vraiment c'est une super bonne caisse en vrai. Ah, bien sûr, hein, franchement elle est vraiment bien, regardez l'intérieur les gars, je vous montre, hein, il y a la clim, les sièges, t'as les sièges chauffants? Ouais, les sièges chauffants, elle est quasi full option, les manques noir laqué, vraiment belle. Bah t'as encore un plus grand écran en option. Ouais, il est déjà assez grand je trouve. Ouais, non, celui-là est déjà assez grand, ouais. Les options qui manquent, je crois que, attends, ça c'est quoi? Elle a le Dyn Audio aussi. Ouais. Tournant. Merde, le c'est quoi noir. Déjà. J'ai zappé. Le régulateur de vitesse. Je l'ai. C'est les feux, tu sais, je sais plus comment on appelle ça. Le site assist dans les clignotants, quand tu les angles morts. Ouais, ça j'ai pas. Et tu sais, les feux, quand ils sont en plein phare, tu croises quelqu'un, ils s'enlèvent automatiquement des pleins phares. Ouais, mais c'est vraiment ça, des détails. C'est subtil, c'est de la merde. C'est des hein. Détails, ouais. Mais je sais plus, il me manque deux options. Si je crois que c'est que dalle, je sais pas. T'es full, t'as le démarrage, t'appuies sur le bouton. Sans ouais, plus. Je suis fou. Frein électrique auto, non, ouais. Non, vraiment belle caisse. Bah, j'ai été ravi de cet essai, on te remercie, moi-même et la communauté. C'est moi qui te remercie surtout. Donc, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, que la prochaine. Ouais. Quand t'auras fini de voyager. Quand j'aurai fini de voyager. Sinon, tu m'appelles, tu me dis, bah, je suis à Miami, je t'invite une semaine, tu peux faire une vidéo là-bas. Allez, bah, très bon, bien. Bon, faudra au moins qu'il y ait une caisse à filmer, il y a un truc, tu vois, on va rester dans le thème un peu d'automobile. On aura une Mustang. Est-ce que t'as des réseaux sociaux à partager si quelqu'un veut te contacter? En plus de ça, tu la vends. Donc, alors, j'ai Instagram, mais alors, je sais plus mon Instagram. C'est toi qui vois si tu veux partager. Si, je vais partager. Ta femme, elle va te tuer. Enfin, ta petite chérie. La petite chérie, 3 semaines et un jour. Pour Lucas. Si, c'est ça. Bah, Mathis.boîtier, de toute façon. Bon, les gars, je peux le montrer? Ouais, pas de soucis. Donc, les gars, n'hésitez pas à le contacter. Si vous voulez poser des questions, ouais, si vous êtes intéressé, vu qu'il la vend, le frérot, hein, tu penseras à ma commission. Hein, merci. Ouais. 500 balles. Ah merde, j'allais dire 2 euros, c'était pas mal. Une baguette. Et bah les gars, je vous remercie encore du visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un commentaire, de partager la vidéo, c'est très important. Surtout le pouce, s'il vous plaît, regardez la vidéo. Mettez le pouce, ça vous prend 2 secondes. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, parce que je sais qu'en général, avec 50% des personnes, enfin même plus, 70% des personnes, vous regardez une vidéo, vous avez sûrement kiffé ou même pas aimé, mais vous mettez jamais les... C'est important pour nous, franchement, ça motive à vous refaire d'autres vidéos, et voilà. Et si vous voulez passer sur la chaîne, le Transporteur 69, je vous mets à l'aise, et puis je me ferai un plaisir de vous recevoir. Voilà, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne journée ou une bonne soirée, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez! Ciao, ciao. Salut.